Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je vérifie juste si le live est bien lancé. Apparemment, oui. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou quand vous arrivez. Bonjour, Brigitte. J'ai failli pas réussir à lancer mon live. Je me suis dit, bon, je suis maudite, je ne vais jamais réussir à faire le live. Donc voilà, je suis là, c'est connecté. On croise les doigts pour que ça fonctionne jusqu'à la fin. Bonsoir Natacha, bonjour Natacha, bonjour Estelle. Pour que démarrer, vous verrez que le code hôtesse qui est indiqué à ma gauche, c'est de ce côté-là, je crois. Il y a un décalage. Bon, bref, sur la bannière, c'est suite. Non, c'est de l'autre côté, voilà, du mois de janvier. Donc, j'ai pas eu le temps de le changer. Je viens de le voir. J'ai dit, ah non, tant pis, je lance comme ça. Bonjour Céline. Bonjour Martine. Super. Alors, je vous laisse quelques petites secondes pour arriver encore. De toute façon, vous pouvez prendre en cours de route, puis il y aura le replay. Oui, ça fonctionne bien, mais alors ma caméra, quick, je ne sais pas ce qu'elle a eu mardi dernier. Et vu que mardi prochain, je ne peux pas faire mon live, je me suis dit, en plus j'avais trop envie de faire le projet, puis je l'ai fait, vous le verrez, sur le thème de la Saint-Valentin. Donc je me suis dit, si je le faisais mardi soir, c'était un petit peu short quand même. Donc du coup, bah ça tombe bien. Je me suis dit, je le fais là, comme ça rattrape le live de mardi dernier, et puis ça j'anticipe sur celui de mardi prochain. Bonsoir Patricia, bonsoir Céline. Alors, du coup, bienvenue tout le monde. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Laurence Margotin. Je suis démonstratrice tampin-up en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et d'habitude, je fais mon live donc tous les mardis soirs à 20h, quand ça fonctionne. Et là, exceptionnellement, je me suis dit, bah hop, on fait dimanche, ça change. À cette heure-là, oui, Christelle, contente de te voir aussi, enfin de te lire. Parce que moi, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, voilà, je vous lis. Bonsoir Françoise. Ça fait longtemps Françoise. Je suis contente de revoir des personnes que j'avais pas vues depuis un moment. Ou alors j'ai juste pas vu vos messages. Hein, je m'en excuse. Donc, pour ce soir, on va travailler sur un projet que j'aime beaucoup. J'espère que ça va vous plaire. J'ai fait tout le tuto, tout est prêt. Je n'aurai qu'à le publier, enfin, à faire les photos, à le publier, mais il est déjà fait le tuto. Donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. Alors Estelle, tu m'as dit, oui, la balade à la mer, bah oui, on est à 35-40 minutes de Saint-Malo, donc en fait, voilà, on y va pour l'après-midi, c'est trop génial. Donc oui, c'était très sympa. Alors, je vais basculer ma caméra, donc oui, je vous disais, durant mes lives, donc je ne travaille, pour les personnes qui ne me connaissent pas, uniquement avec les produits Stampin' Up, puisque je vends aussi ces produits, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Et donc, le but, c'est de vous donner envie, de vous montrer des projets faits avec, etc., etc. Alors, j'ai pas mis de, vous verrez, j'ai pas mis de, je vais travailler directement sur mon tapis de découpe parce que je n'ai pas mis de sous-main Stampin' Up parce que ça va pas être pratique avec mon projet. Enfin, bref. Je change la caméra. Bonjour Isabelle. Hop, c'est bien, il y a plein de monde et puis il y a des personnes que je voyais plus qui sont connectées là, c'est top. Je bascule ma caméra, j'arrête de papoter. J'espère qu'en tout cas tout le monde va bien. Je change la caméra. Hop, on passe sur les deux caméras. Là, que vous voyez le cordon de mon micro, c'est très intéressant. Et puis je vais mettre un peu plus de lumière. Bon, moi, je vais sûrement être toute blanche avec la lumière, mais c'est pas grave, c'est pas ma tête que vous regardez. C'est mon plan de travail. On est d'accord? Vous voyez, j'ai pas mis de. J'enlève tout mon petit bazar et je suis à vous. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé comme projet? Vous avez déjà vu, hein, le thème, c'est vous reprendrez bien une part de gâteau. Attendez, je ferai pas. Je fais ma mise en scène. Non, je prépare mon truc puisqu'il a bougé. Et en fait, voilà le projet que je vous présente, que je vous propose ce soir. Alors attendez, on va orienter la lumière pour pas que ce soit trop. Vous me dites si la lumière, ça vous convient ou si c'est trop fort. Je peux l'ajuster. Ouais, le dimanche, oui, bien sûr, j'aurai plus de monde. Alors à cette heure-là, en plus, c'est top parce que pour le coup, je trouve que c'est un peu l'horaire. Enfin, moi, quand j'étais salariée, c'est le dimanche à cette heure-là, et je sais que c'est quelque chose qui est réel au niveau de la société. C'est le dimanche soir, il y a ce qu'on appelle la déprime du dimanche soir. Et oui, peut-être, pourquoi pas. Après, le truc, c'est que là, en ce moment, il fait pas hyper beau, donc on n'est pas trop.
je suis pas trop dehors, enfin moins qu'en plein été. Mais après, quand il va faire beau, si je mets les dimanches, je me connais un petit peu. Donc je ne sais pas, je vais voir. Mais pourquoi pas, ou pourquoi pas proposer un live de temps en temps le dimanche soir en plus. Oui, c'est une part de phare breton. Non, j'ai pas mis les pruneaux. Mais oui, ça aurait pu être ça, Françoise. Alors, je vous montre. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que la caméra est trop... Je peux baisser la caméra. Voilà, en fait, c'est une grosse part de gâteau. Elle est peut-être loin, la caméra, non? Bonsoir, Amandine. Attendez, on va essayer. Hein. Excusez-moi, j'essaye des petits réglages. Et on va voir si comme ça, est-ce que comme ça, ce serait mieux pour vous? Ce serait plus proche. Voilà, vous voyez bien mon bazar à côté. Mais c'est pas grave. Le but, oh, faut que je trouve les... En fait, j'ai un nouveau... Ma nouvelle caméra, un nouveau système d'éclairage, mais il faut que je réussisse à réguler tout ça. Vous voyez très bien? D'accord. Parce que moi j'ai un contre-jour, alors je voulais juste savoir si vous, vous avez ce contre-jour ou pas. Donc, voilà. Voilà la part de gâteau. Et qu'est-ce qu'elle a, la part de gâteau? Eh bien, c'est une boîte à explosion. Alors, moi j'ai mis une petite bougie. J'espère que ça vous plaît. Je trouve ce projet trop beau, j'adore. Donc là, je l'ai fait sur le thème de la Saint-Valentin, voilà, de l'amour. Mais on peut le faire pour un anniversaire. On peut imaginer faire plusieurs parts pour présenter sous forme de gâteau, par exemple, sur une table. Je trouve ça trop génial. Alors, vous allez voir, ici, j'ai rien mis parce que ici, bah, moi, je mettrais, c'est une pochette, hein, je mettrais une carte cadeau. Alors, attendez, je dois avoir une vieille carte cadeau dans le coin, là, un vieux truc. Bien sûr, je vais pas trouver. Hein. Genre une carte de crédit ou un truc comme ça que je ne vais pas trouver. Bah non, non, c'est pas drôle sinon. Donc ici, on peut mettre un chèque cadeau, un bon cadeau ou un petit mot ou autre chose. Là, ici, moi, j'ai mis un petit tag. C'est vrai, ça vous plaît? Si vous aimez, mettez des petits j'aime. C'est comme ça, je vois après. Je vois ça après. Ici, j'ai mis un petit message alors que j'avais tamponné d'un ancien set de tampons Stampin' Up que je trouvais trop mignon. Hop! Là, c'est juste un petit tag avec un cœur et puis marqué je t'aime. Un petit peu logique. Et du coup, ici, j'avais mis une petite bougie. Alors au début, ma ligne, je l'avais collée. Sauf que si je la colle, on ne peut plus l'allumer. Un peu dur à allumer, ma bougie, par contre. Hein. Mais voilà, on peut mettre un chocolat, on peut mettre plein de trucs. Hein. Là, j'ai mis la bougie parce que je voulais mettre quelque chose en volume. Mais voilà, vous pouvez mettre plein plein de choses. Et puis vous allez voir que... Alors je vous ai fait un super tuto. J'y ai passé je sais pas combien de temps. C'est vrai, ça vous plaît? Ah, je suis contente que ça vous plaise. Donc en fait, voilà. Hop, je vais éteindre la bougie parce que je ne suis pas certaine que ça apporte grand-chose. Donc après, la déco, je suis restée assez simple. Après, ça c'est vous qui choisirez comme à chaque fois. C'est vrai? Ah, moi j'adore. Alors là, la part de gâteau, je trouve ça... En fait, j'ai vu ça sur un... Mais pas une... Pas sur le site d'une démonstratrice, sur une nana qui faisait du scrap, j'ai vu un modèle comme ça. Oh, je dis j'adore, j'adore, il faut que je trouve comment faire. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu galéré pour les mesures. C'est un peu beaucoup même. Cet après-midi encore, j'y étais pour le tuto, hein, puisque la boîte était déjà faite. Mais bien sûr, j'ai fait la boîte et j'ai fait le tuto après. Donc les mesures, c'était un peu galère pour les prendre et du coup je me suis dit bah il fallait ouais on il fallait que je vous fasse les mesures avant sinon vous me connaissez vous aurez jamais le on peut mettre un Ferrero on peut mettre un gros Ferrero on peut mettre voilà on a de la place quand même hein, parce que les mesures de la boîte je peux vous donner la taille pour que vous ayez une idée on est sur la base de la boîte elle fait 8 cm et on va 8 par 13 donc du coup ça vous laisse quand même de quoi Là, moi, j'ai mis un petit cœur, mais on peut mettre quelque chose de plus grand. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les cols que vous connaissez. Alors, on ne va pas offrir une colle, hein, mais vous voyez, même un truc de colle, ça rentrerait dedans. Hein. Donc, il y a de la place encore. Donc, il y a de quoi faire. Et oui, alors, du coup, même pour un anniversaire ou autre, même avec juste des bonbons, même faire des boîtes, on peut tout à fait faire ce système de boîte à explosion sur des parts de couleurs, par exemple, à l'anniversaire même d'enfants. Des parts en couleur sans forcément mettre 3 tonnes de déco dessus et passer 3 heures sur chaque boîte et faire un gros gâteau et chaque personne, pouf, il y a tous les bonbons dedans, il y a un sachet avec des bonbons dedans, on peut faire plein de trucs. Oui, les chocolats de Pâques, plein plein de choses. Donc voilà. Alors il y a une personne qui m'a demandé sur un des groupes où j'ai partagé le live si je pouvais donner les papiers qu'il fallait et le matériel.
C'est très rare, je le faisais au début, maintenant je ne donne plus forcément le matériel, tout simplement parce que pour les personnes qui me connaissent, des fois je me gourde dans les mesures, donc je ne pouvais pas couper vos papiers avant, et puis parce que bah, mine de rien, faire une liste avec le matériel, avec, et bah, ça prend du temps, et non pas que je ne veuille pas le faire, mais je cours déjà après le temps, et si en plus je dois faire une liste, alors ça m'arrive sur certains projets, mais je ne le fais pas sur tous, donc ne le prenez pas mal, ce n'est pas que je ne veux pas le faire, c'est juste que voilà, je... matériellement au niveau enfin au niveau timing c'est trop j'ai pas le temps, je fais déjà les lives, j'ai pas le temps de faire en plus les lives, la publication après, donc du coup vous donner tout avant c'est encore encore un peu compliqué. Voilà. Bon bah écoutez, si ça vous plaît on va attaquer tout de suite. Alors on va déjà prendre en base, alors ici moi c'était du papier couleur sous l'écume de Stampin' Up, là je vais prendre du papier macaron à la menthe. Puisque je vais continuer à travailler avec cette collection de papier hein, que vous connaissez, la collection de la, le papier de la collection. Ah, je vais y arriver. Balade champêtre. Hop. Cette collection-là de papier qui est juste magnifique. Et là, pour la boîte qu'on va faire en, que je vais faire en live, je vais partir sur les tons bleus de papier. On va changer un peu. Donc j'aime beaucoup cette collection, vraiment, je la trouve très jolie. Je trouve qu'on a des super projets avec, comment ça s'appelle? Avec pas grand chose au niveau des découpes en fait, parce que c'est une perfo avec un cœur, donc voilà, ça reste assez soft. Alors, pourquoi j'ai une grande feuille 30 par 30? Tout simplement parce qu'il me faut un premier morceau pour faire la base de mon, la base de ma boîte. Je vais essayer d'être le plus clair possible, hein, mais voilà. Vous n'hésitez pas si vous êtes perdu. Pour faire la base de la boîte, il me faut un morceau qui fait 21,2 par 21,2. Regardez, je ne vous mens pas quand je vous dis que je vous ai fait tous les tutos. Il y a tout. Donc, on va beaucoup travailler avec la règle et un crayon. Crayon que, bien évidemment, vous vous en doutez, je n'ai pas pris. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Ah, mais j'ai un crayon. Et j'ai trouvé un super stylo 4 couleurs. Je ne savais pas que ça existait. Alors, du coup, il est 3 couleurs et avec en plus le critérium inclus. J'adore ces stylos. J'aime beaucoup. Il y a plein de collections de stylos 4 couleurs. Je trouve ça hyper pratique. Et du coup, j'avais une collègue de boulot qui m'avait dit, mais il en existe avec un porte-mine. Je dis, trop bien, je le veux. J'ai galéré un peu à le trouver, mais je l'ai trouvé. Et il y en a même où il y a des surligneurs hein, dedans, enfin intégrés. Je trouve ça génial. Bref. Vous n'êtes pas là pour que je vous parle des critériums Bic, des stylos Bic. Donc, il va vous falloir donc une base qui fait 21,2 par 21,2. Je l'ai marqué ici. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai utilisé. Alors, on pourrait réduire la boîte pour faire 21 sur 21. Ça se joue au millimètre. Hein. Honnêtement, c'est tombé 21,2, j'ai dit c'est bien 21,2, j'avais pas envie de changer. D'où l'utilisation d'une grande feuille. Mais effectivement, si vous prenez du 21 par 21, ça vous permettrait d'utiliser que des feuilles à 4. Après, chacun voit comme il veut. Moi, c'est 21,2 par 21,2. Hop. Donc, je vais déjà couper ma base. Donc, 21,2. Par 21,2. Voilà. Et le second morceau devra. Alors là, il ne faut pas que je perde mon tuto, parce que si je perds mon tuto, c'est fini, on arrête le live. Le second morceau fera 13,2 par 17 cm. C'est pour le couvercle. 13,2 par 17 cm. Treize virgule deux par 17. Et dans une chute de papier, parce que c'est juste pour le tuto, vous allez découper une bande. Je vous donne un papier brouillon, mais un petit peu rigide, parce qu'on va s'en servir de gabarit. Enfin, vous pouvez prendre une chute de papier cartonné avec lequel vous travaillez. Il vous faut un morceau de 2,5 par 13 cm. Vous verrez, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour prendre les mesures, sinon c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est une chute. Moi, c'est un papier
épais mais un peu plus épais que du papier d'imprimante, 2,5 par 13. Est-ce qu'il y a des personnes qui le font en même temps que moi? J'arrive, je vais chercher juste un truc sur le bureau d'à côté que j'ai oublié. Si je le retrouve, je suis à vous. J'oublie toujours quelque chose, donc voilà. J'arrive, j'arrive. Bien sûr, je ne trouve pas, c'est mon outil touche à tout. Donc, bah, c'est pas grave, on va continuer sans. C'est pas comme si j'en avais besoin, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire sans, parce que s'il faut que je parte à la recherche dans mon bureau, on se revoit demain. Alors, on reprend notre morceau qui fait 21,2 par 21,2. Je range, enfin j'enlève mon coupe-papier pour l'instant. Il vous faut une règle, et je vous ai dit, et un crayon. Vous faites après. Ok, parfait. Parfait, parfait. Je regarde le commentaire. Oui, alors il y a Marjorie. Hop. Ah, je ne peux pas revenir sur les commentaires. Marjorie qui fait en même temps que moi. Alors là, j'ai la pression, il ne faut pas que je me trompe. Alors, du coup, on va dans un premier temps prendre des repères et vous allez marquer. Vous allez voir, je fais beaucoup au crayon et plus qu'au coupe-papier, voire presque pas au coupe-papier. On va prendre une première main. Donc là, on est sur le morceau qui fait 21,2 par 21,2. On va mettre un premier repère à 6,6 cm. Et un second repère à 14,2. Et alors, attendez, il faut que je me rappelle. Voilà. Donc, on refait pareil en bas. Je vais y arriver. Six virgule six, 14,2. Alors après, on tire des traits légers parce qu'on effacera au fur et à mesure. Et là, vous laissez les traits se rejoindre. En fait, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Faites aussi en même temps que moi. Ok, d'accord. Ouais, bah souvent c'est moi qui les fais les boulettes, hein, mais du coup. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire là, voilà, c'est ça que je cherchais. On va faire, là, on est en train de faire, je vais vous montrer pour que vous voyez mieux. On est en train de faire la base de la boîte. J'ai des petites mesures que j'ai dû oublier, que je vais renoter au fur et à mesure, parce que sinon, le tuto, il va plus être bon. 7 cm. Donc ici, on va venir faire un repère de chaque côté sur nos traits à 7 cm. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Et là, on vient rejoindre les deux. Donc, appuyez pas trop fort avec votre crayon, ça ne sert à rien. Ensuite, on va marquer le centre. Donc le centre, ma page fait 21,2, donc ça fait 10,5, ça fait 10,6 ici. Et là, ma base fait 8. Non, c'est pas 8. Pourquoi c'est pas 8? Ça y est, je commence à me tromper. Ça y est, voilà, voilà, voilà. Pourquoi il fait pas 8? Voilà, donc les personnes qui ont fait avec moi vont commencer à me détester. Pourquoi ça ne marche pas? Alors là, je suis bien sûr du 6,6 et du 14,2, donc je me suis gouré quelque part. 14,2, 6,6. Ça commence très bien. Quatorze virgule deux. Je suis au bon endroit.
21,2. Alors là, c'est un mystère, hein. Je suis désolée. Mais c'est pas comme si je l'avais refait 50 fois. Ce morceau-là doit faire 8 cm, il ne les fait pas. Alors, 6,6, 14,2. Ça commence bien. C'est un peu la base du truc, donc si j'arrive pas à le faire, on n'est pas dans la panade. J'arrive pas à comprendre là. Attendez, je vais faire autrement. Hop. On est d'accord que mon papier, il est pareil. 6,6. Heureusement que j'ai fait un tuto. Et là, on est bien sur du. C'est une plaisanterie. Ça fait bien 8. Pourquoi ils n'avaient pas 8? Bon, alors je ne vais pas chercher à comprendre, d'accord? Je vais refaire comme là, sur le gabarit, je ne sais pas. Chez vous, est-ce que ça tombe bien, celles qui l'ont fait? Alors là, c'est un mystère. Hein. Ben, on est d'accord. Mais alors pourquoi là? Regardez, si vous voyez, ici je suis bien à 6,6. Ah putain, c'est 14,7. C'est de ma faute. Bon, voilà, donc c'est 14,7. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. Donc on reprend, on retrace les traits. Toutes mes excuses. C'est pas comme si j'avais passé je sais pas combien de temps. Bon bah c'est bien Marjorie. Au moins, il y en a une qui s'est pas trompée. Et du coup, en hauteur, je vous ai dit ça fait 7. Ah non, mais je déteste en plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai été prendre un. Je prends des trucs avec des mesures et des. J'ai toujours détesté ça. Mais bien sûr, je me lance des challenges comme ça. Bon, toutes mes excuses. Hein. Donc là, je rejoins à 7 cm de chaque côté. Hop. Et là, j'ai l'arrière de. Heureusement que j'ai fait un tuto. Hop. Donc une fois qu'on est là, je vous disais, on va prendre le milieu. Donc 8 et 8, le milieu, c'est 4. Ouhouhou. Et ici, en bas, on est 21,2, donc 10,6, le milieu. Ça va? Pourquoi la couscoussière? J'ai pas compris, j'ai raté un truc. J'ai du mal à. Et là, en fait, entre le point du centre que j'ai fait ici, je vais me mettre un rat, et le point du bas. Je vais tirer un trait léger pour tracer, en fait, il me faut le centre à 12 cm. En fait, je n'ai pas besoin de tirer un trait, je vous dis des bêtises. Vous mettez un point à 12 cm. C'est ce qui va nous permettre de relier ce point-là à celui-là pour faire le triangle. Hop. Donc vous l'aurez compris, si vous devez faire plusieurs boîtes, faites un gabarit. Ça ira beaucoup plus vite. Donc ici. Et là, en fait, on va venir, je revérifie mes mesures, hein, marquer de chaque côté des repères à 9,2 du bord. D'accord? Donc 9,2, hein. Ça on n'utilise pas, c'était juste du papier comme ça. Donc à 9,2, on vient marquer. Hop. Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Voilà. Et là, on va venir tracer. C'est pour tracer le côté. Les volets latéraux, en fait, ici, les rabats, c'est pour tracer cela.
Vous me dites hein, si vous voyez pas bien. Ensuite, une fois que je suis là, je vais venir faire les traits parallèles ici. Mais alors pour ça, voilà, on va venir faire un repère à 3,8 sur le bord du papier et à 17,2. 3,8 et 17,2, ce qui vous permet de venir à la pointe de votre triangle. Pas de souci, Martine. De toute façon, je faisais des bêtises, donc vous arrivez, je le dis toujours, quand vous pouvez hein, sur les lives. Si vous ne pouvez pas, vous aurez le replay de toute façon. Voilà. Et là, maintenant, il va me rester à rejoindre les deux rectangles. Mais après, oui, le mieux, c'est d'avoir un gabarit. Une fois que vous avez votre gabarit, après, coucou que vous dessinez. Parce que là, je trouve que c'est un peu compliqué d'utiliser le coupe-papier. Enfin, moi, là, je me suis dit, le coupe-papier, c'est sûr, je me mets dedans. Hein. Donc, je vais l'utiliser pour couper les bords comme ça. Mais après, ça, ici et là, je vais faire au ciseau. Donc, ce que je vous conseille de faire, une fois que vous avez fait ça, c'est, parce que celui-là, ici, il n'est pas compliqué, de griser les trucs que vous devez enlever, les parties. Sinon, on a vite fait, hop, un petit coup de ciseau. Puis alors, c'est pas comme si j'en étais capable, hein, en coupant pas le bon truc. D'accord? Et avec votre gomme, on va. Vous pouvez d'ores et déjà effacer les traits à l'intérieur qui vous servent. On effacera le reste après. Mais déjà, ceux-là n'ont plus aucune utilité. Là, je peux effacer le petit point. J'effacerai le reste après. Hop. Alors. Pour le coup, moi, pour découper, je vais prendre le scalpel. Je trouve ça pratique, en fait. Après, vous pouvez le faire au coupe-papier si vous voulez, mais du coup, une fois que j'ai les traits, je trouve ça pratique avec le scalpel. Surtout que je viens de changer la lame et qui coupe hyper bien. Hop. Voilà. Hop. Alors, j'aurais pu le couper avant, mais le but, c'est de le faire avec vous. Bon, bah, mon truc hyper... C'est un vieux scalpel que j'ai. Le scalpel, il est tout... Mais il coupe hyper bien, il est pratique. Hop. Bon, alors, est-ce que cette collection... Bon, cette collection, j'ai déjà travaillé avec, mais pour les personnes qui viennent pas d'habiller... Est-ce qu'il y a des personnes, d'ailleurs, qui sont nouvelles sur mon live? Si oui, mettez-moi juste un petit... vous me dites nouvelle ou vous me dites c'est la première fois que vous venez. Juste que je vois un petit peu si j'ai des nouvelles personnes à cette heure-là ou si... ou pas du tout. N'hésitez pas à me le dire, ça me permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Hop, et là, je vais enlever la pointe ici. Oui, Fabienne, super. Bon, bah, alors pour une première, voilà, vous avez vu, hein, je suis un peu... J'ai toujours tendance à me tromper sur certains trucs. Enfin, à me tromper. Je suis comme vous, hein, je suis pas une machine, donc bah, je fais aussi des erreurs et que je rattrape. Voilà. Et puis ici, bah, je ne l'ai pas bien coupé.
Voilà. Alors vous allez me dire, bah oui, mais une fois qu'on est là, comment on fait pour marquer les plis? Tout est là. Donc c'est là que j'avais besoin de mon outil touche à tout, mais bien sûr, je ne sais pas où je l'ai mis, donc je vais prendre le plioir, c'est pas grave. Alors soit vous le faites avec le, vous utilisez le coupe-papier, hein, si vous vous sentez de le faire. Moi je trouve que c'est plus précis pour le coup. Alors avec le stylet de l'outil touche à tout, c'est l'idéal. Mais vu que je ne sais pas où je l'ai fichu sur mon autre bureau, ça marche aussi avec ça. D'accord. Hop. Voilà. Et voilà. Zouf. Il y a d'autres personnes en plus de Fabienne qui sont nouvelles. N'hésitez pas à me le dire, ne hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas. Vous ne risquez rien. Je suis gentille, hein, je ne mords personne. Hop. Bon alors je vous rappelle que je suis toujours prête à accueillir du monde hein, dans mon équipe. Hein. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, c'est tout le temps le moment, d'accord? Il n'est pas compliqué comme projet, mais oui, à faire une première fois, oui. Enfin, une première fois. La première fois qu'on le fait, quand on n'a pas les explications, il est un peu long à mettre en place. Oui, donc je vous disais, je suis toujours prête à accueillir du monde dans mon équipe, hein, si vous avez envie de tenter l'aventure. Ah oui, il faut effacer derrière, parce que je m'étais trompée, moi. J'avais oublié ça. J'avais oublié cet épisode. Hop. Donc, surtout qu'en ce moment, alors, c'est toujours le moment, mais il n'y a pas de moment particulier pour rentrer dans les équipes, hein, pour rejoindre l'aventure. Mais là, en ce moment, il y a une super promo avec... Oui, ma gomme, c'est un stylo. C'est un stylo gomme. Je trouve ça hyper bien. En plus, elle gomme hyper bien. Elle est trop bien. En Belgique, mais en Belgique, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez aussi... vous pouvez, depuis peu, hein, vous pouvez rejoindre Stampin' Up. Donc, même si vous êtes en Belgique et que moi, je suis en France, c'est pas un souci, ça. Donc, ce serait avec plaisir. Vous seriez la première démonstratrice belge que je recruterais. Ce serait trop bien. Alors, du coup, quick. Voilà. Donc là, j'ai ma base de boîte. Ah oui, n'est-ce pas, Natacha, ça a été ma... Si je dis pas de bêtises, ma toute première filleule, en fait, dans mon équipe. Et effectivement, on passe de bons moments, c'est vraiment sympa. Et pourtant, on n'est pas du tout... on est 7 dans l'équipe, on n'est pas du tout les unes à côté des autres. Hein. Donc, la distance n'a aucun, ne pose aucun problème. Est-ce qu'il a mon truc encore? Ah non, c'est bon, c'est moi. Hop. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre l'autre morceau pour faire... Le couvercle. Donc le couvercle, pareil, il y a un tuto. Donc on avait dit un morceau qui fait 17 cm sur 13,2. Et là, on va marquer, on va prendre des repères. Donc ça, je le mets de côté. On va déjà faire une bande en haut qui va faire 2,5 cm. Bon, attendez, il ne faut pas que je me trompe entre ma gomme et mon crayon. 2,5. J'aime bien ces règles larges là parce que du coup ça permet de pouvoir marquer d'un côté et de l'autre. En fait, elles sont marquées des deux côtés. Hop. Et là, je vais faire une marque à 2,5 encore en haut. Alors du coup, je vais faire en haut à 2,5 et en dessous aussi. Et 10,8. Voilà. Je rejoins je descends. Hop, ça me donne juste un point de repère, celle que j'ai fait en dessous. Et j'y mets là. Donc voilà. Et là, en fait, vous allez juste dessiner, on va dessiner les languettes. Alors, il n'y a pas d'épaisseur particulière. Moi, vous voyez, je prends l'épaisseur de la règle. Hop.
Après, ça, je couperai au ciseau, c'est juste pour me donner une indication. Il n'y a pas de règle dans l'épaisseur de la languette, hein, de la taille de la languette. Hein, c'est, je dirais que c'est un peu au feeling, mais je le dessine pour pas l'oublier, en fait. Ça aussi, c'est fort probable. Donc, une fois que je suis là, je vais venir prendre. Ici, ça fait 8,3. Entre les deux languettes, vous avez 8,3 cm. D'accord? Donc, on va prendre le centre qui va faire. Le centre, c'est 4,15. D'où l'intérêt d'avoir les règles, des fois, avec ces graduations. Là, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez les graduations classiques, là, les millimètres. Et après, bon, je ne sais pas si on voit quelque chose, c'est tout flou mon truc, surtout si je suis hors champ. Et après, vous avez en haut les demi-millimètres. Et bien des fois, c'est pas mal, comme là, 4,15. Oui, je peux le descendre. Hop. Je peux le descendre. Donc, 4,15. Et en bas, ma feuille fait 17,1. Je vais, de toute façon, je vais les publier, hein, les gabarits, je les publierai, ne vous inquiétez pas. Je vais marquer au centre à 6,1. Pas à 6,1, qu'est-ce que j'ai fait? C'est 13,2, donc 6,1. 6 et 6, 12. Je vais marquer, moi. Pourquoi 6,1? 13,2. 6 et 6, 12. Ah, c'est à 6,6. C'est ça. Le centre, c'est 6,6. C'est à croire que j'avais bu quand j'ai fait le truc ou quoi. Et là, comme tout à l'heure, alors, on n'est pas obligé de faire un trait puisque c'est le centre de votre triangle, mais on va venir ici, à l'angle de ma bande du haut, là, jusqu'au centre en bas. Donc oui, donc pour celles qui se diraient, finalement, la marque ici ne sert à rien au final. Puisqu'en fait, c'est juste un trait. Si, ça sert, je suis bête. Ça sert puisque ça vous donne. Si, je suis en train de vous dire des bêtises. Ah, ça y est. Bien sûr que ça sert. Puisqu'en fait, sur le trait que je vais tracer ici, le trait fin, je vais mesurer 12,3. Et c'est là. C'est à partir de ce point-là. C'est pas drôle, Brigitte, que vous allez venir ici en oblique. Voilà. Ça vous donne ça. Est-ce que ça va pour celles qui le font avec moi? Vous ne me détestez pas trop, elles ont abandonné. Et alors là, c'est là que vous allez avoir besoin du petit gabarit que je vous ai dit de faire. Parce qu'alors sinon, il faut calculer que la bande, elle doit faire 2,5 cm, mais il faut être sur la bonne oblique. Et c'est surtout pas le haut qui est difficile, c'est le bas. C'est un peu compliqué. Donc du coup, le mieux que j'ai trouvé, c'est de mettre le gabarit. Et vous allez voir, ça se fait tout seul. C'est avec votre gabarit, vous allez venir le positionner ici, le long du trait. Vous voyez, je suis un peu en bas, mais. Et là, touc. Alors, vous pouvez tracer légèrement ici, et puis après, vous reviendrez. Vous voyez, on fait juste ça pour prendre les repères. Ensuite, on vient là. Et du coup, c'est plus facile pour tracer vos languettes. Sinon, je vous promets, c'est une. Enfin, moi, je suis. Vous avez vu, hein? Je suis pas. Oui, ça va. Bon. Je suis loin d'être une experte en mesure. Enfin, je me. Voilà. Puis alors, en donnant les explications en même temps, alors là, je crois que c'est pire que tout. Donc. Et pourtant, je vous dis, je l'ai fait, hein, le tuto. Hein. C'est pas. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois. Hein. C'est pas faute de pas m'être entraînée, mais. Voilà. Hop. Et du coup, ici, comme ça. Mes languettes sont bien positionnées. Parce qu'au début, j'ai galéré, c'est avec la pointe du couvercle, en fait.
parce que j'avais fait les angles, en fait, au lieu que ce soit oblique comme ça, j'avais mal vu, je les avais fait dans l'autre sens, et du coup, mon couvercle n'allait pas du tout. C'était horrible. Donc, et pareil, ne pas oublier la languette ici que j'ai oubliée la deuxième fois que j'ai fait. C'est pour ça que je la dessine grossièrement, mais au moins elle est là. Et là, du coup, je vais pouvoir découper mon couvercle. Donc, pareil que tout à l'heure, hein, comme je vous ai dit, quick. Moi, mais ça, je le fais tout le temps. Hein. Quand j'ai des trucs à découper, je marque ce que je dois enlever parce qu'il suffit que le. Je sais pas, que je sois déconcentré par un truc, que le téléphone sonne, que n'importe quoi, et paf, je coupe au mauvais endroit. Donc, bonsoir, Maddy. Et là, on repart avec la règle et le cutter. Mais je suis contente, je trouve que c'est une super, ouais, c'est un super projet pour décorer les tables, pour. Puis alors moi qui adore les boîtes à explosion, alors là c'était le paradis, j'étais trop contente. Oups. Après je vais y aller au ciseau parce que vu les endroits où ça se trouve. Hop. Ouais, ça change. Bah oui. Et puis c'est vrai que dernièrement, j'ai fait beaucoup de cartes. Et du coup, j'avais envie d'un peu de changer. Alors après, quand je fais le mardi soir, c'est vrai que j'essaye de pas faire des lives trop longs. Tout simplement, vous allez me dire, bah non, mais moi, par exemple, je regarde jusqu'au bout. Au niveau du nombre de personnes qui regardent, je vois bien qu'à partir de, ouais, peut-être 5 minutes avant 21h, on le filme. Il y a une déconnexion, il y a plein de gens qui partent. Et du coup, alors même si je sais que c'est pas parce que le projet ne leur plaît pas, c'est vrai que quand nous on fait le, enfin quand quelqu'un anime un live, si vous en faites, c'est un peu déstabilisant de voir tout le monde partir d'un coup. En fait, on se dit bah ben, s'il y a un truc qui plaît pas, il y a, même si on sait que c'est le film. Et puis voilà, c'est toujours plus sympa, je trouve, quand on a un peu de monde en direct. Bonjour Valérie. Donc du coup, bah c'est pour ça que. C'est pour ça qu'en général, je fais des projets plus courts, en fait. Alors, bah là, pareil, je vais venir marquer les plis. Alors, oui, je retirerai après, je gommerai après les traits. Donc, l'idéal, c'est de prendre l'outil touche à tout, hein. Vous avez les stylets, ce qu'on appelle les stylets, c'est les embouts métalliques avec une petite boule au bout. C'est plus facile pour marquer les plis que le plioir. Hein. Voilà. Et ensuite, ça va être les petites languettes. Celui-là, je l'ai marqué. Oui, c'est vrai, il y a moins de suspense dans les films que moi qui fait des erreurs. D'accord, Christine, c'est gentil. Que je communique là-dessus alors. Mais après, les gens ils vont venir me voir juste parce que par moment je fais des erreurs. Alors, parce que par moment, hein, quand même, je voudrais pas que les personnes qui sont nouvelles sur le live pensent que je fais que ça, quoi. Je ne fais pas plus d'erreurs que vous, vous en faites quand vous scrapez. Je suis sûre que vous en faites aussi. C'est juste que moi, je les fais en direct. Alors c'est vrai que quand on fait une carte, c'est moins difficile, c'est moins facile de. Enfin, on se trompe moins souvent. Mais sur des plus gros projets, le fait de parler, de regarder en même temps, c'est plus compliqué. Hein? Il vaut deux lives, on est d'accord. Merci Christelle. C'est pour ça, je me suis dit, ah non, il faut que je le fasse. Et puis vu que je l'avais fait sur le thème de. Ouais, sur le thème. Enfin, pas forcément Saint-Valentin, mais si, c'était quand même pour.
Je me suis dit, bah, si je le fais mardi soir, et puis bah, du coup, je peux pas mardi soir. Mais je me suis dit, faut que je le fasse, quoi. Puis j'avais trop envie de le faire. Mardi dernier, j'étais quand même particulièrement écœurée que ma caméra ne fonctionne plus. Je vous dis pas dans quel état de nerf j'étais. J'étais hyper énervée. Je me suis dit, ah non, j'avais un super projet. Bon, j'avais prévu pour le coup que ça durerait un peu plus longtemps que. Et paf, ma caméra qui rend l'âme. J'étais hyper énervée. Ça s'est pas vu du tout, hein, mais j'étais vraiment très énervée. Donc là, vous voyez, hop, on va venir comme pour une boîte, hein, coller les languettes ici derrière, là, à l'intérieur, et ma petite languette qui va là. Alors, petit conseil, avant de tout coller, vous venez placer. C'est un peu en kit là, mais voilà. Du coup, vous simulez comme si c'était collé pour vérifier que tout s'ajuste. Parfait. Très bien. Voilà, je peux coller. Oui, il se positionne. Ah, merci Fabienne. Je suis contente s'il se positionne parfaitement. Ça me rassure. Alors, vous pouvez coller d'ores et déjà votre couvercle ou alors vous dire je le décore et je le colle après. C'est comme vous voulez. J'ai déjà fait par contre les découpes de papier design. Alors pour les façades, hein, j'ai pas fait les petites pochettes encore, mais j'ai déjà fait les découpes et j'ai tout marqué ici. Alors pourquoi j'ai pas fait les découpes avec le papier design en direct? Tout simplement parce qu'il y a du sens pour le papier, j'ai des sens à respecter. Et alors parler plus ceci, plus cela, je me suis dit je vais jamais m'en sortir, on va rester jusqu'à minuit ensemble. Donc du coup j'ai préféré les préparer. Donc pour le couvercle, donc je vous l'ai mis ici, il va vous falloir dans du papier imprimé. Alors après, moi c'est la déco que j'ai faite. Après, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Un morceau qui fait 11 cm par 7,5 et vous allez marquer le centre d'un côté. En fait, parce qu'on va le couper en triangle. Donc j'ai fait 7,5 divisé par 2, ce qui fait 3,75. Et là, je vais venir simplement, alors je pourrais le faire avec le papier, hein, pareil, mais bah, je suis partie comme ça, c'est très bien. Hop, j'ai marqué le centre ici. Il y a ici petit cutter. Et je coupe. Alors gardez vos chutes, vous allez voir, moi je les utilise après pour d'autres. Je vous dis ça, je suis sûre que je ne vais pas réussir à les utiliser ce coup-ci, mais. Si on peut les utiliser, on peut en utiliser certaines. Hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir le coller. Ensuite, j'ai pris des bandes. Donc, des bandes de papier aussi. En fait, j'ai pris l'envers de celui-là, qui est dans la même collection. C'est des bandes qui font, que je vous dise pas de bêtises, 2 cm de haut. Il vous en faut deux qui font 12,3. Donc 2 par 12,3, deux morceaux. Et un morceau qui fait 2 par 7,8 qu'on va mettre derrière. Donc là. Alors là, en fait, pour les triangles, je ne sais pas si vous savez, pour savoir quelle taille prendre, en fait, pour que ça tombe bien avec la marge, vous faites comme quand vous faites un matage de cartes. C'est-à-dire que là, mon morceau, il faisait, on va le faire en centimètres, c'est mieux, 8 cm. J'ai réduit, j'ai mis à 7,5. Et après, en fait, bah, j'ai fait un rectangle de 7,5 par la hauteur de mon... Pareil, hein, ici, j'ai pris de là à là. J'ai retiré 5 mm, puisque moi je retire à chaque fois 5 mm. Et puis ensuite j'ai coupé mon rectangle en prenant mon triangle en prenant le centre en bas. Et du coup ça vous fait pile poil la marge. Enfin, c'est très clair mon truc, mais je pense que vous avez compris. Et là je vais coller mes petites bandes avec les petits cœurs. En fait, le sens du papier, c'était surtout celui-là qui avait des petits cœurs. Je voulais mettre dans le bon sens.
là, et puis derrière. Voilà, et là je vais pouvoir du coup monter mon couvercle. Bon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont la refaire alors cette boîte? J'espère que vous allez partager vos créations, hein, parce que moi j'aime bien voir, hein, surtout quand c'est des projets comme ça. Du coup, c'est nul, je peux même pas l'offrir à mon mari pour la Saint-Valentin. En fait, pas la Saint-Valentin, mais je peux même pas lui offrir, il l'a vu. Puis là, je suis sûre qu'il est en train de regarder le live, donc il va voir le deuxième modèle. Mais je vais peut-être quand même. Bon, faut que je trouve quoi mettre dedans, parce que si j'ouvre une bou... si je lui offre une bougie LED, je suis pas certaine que le cadeau, il soit... Je suis pas sûre qu'il... Je sais pas pourquoi, pas sûre que... qu'il l'apprécie tant que ça. Ah, tu le fais en gabarit ce soir. Ça m'étonne pas, Natacha. J'étais sûre que ça te plairait, ce petit projet. Donc là, j'ai mon joli couvercle qui est fait. Maintenant, je vais venir décorer l'extérieur de ma boîte à explosion, de ma part de gâteau. Voilà, il fait chaud dans mon extérieur. Voilà. Il fait chaud, j'ai ma colle. Regardez, ma colle, elle se barre toute seule. Alors, ici, pour l'extérieur, du coup, je l'ai mis ici, extérieur, il vous faut deux morceaux qui font 12,1 par 6,1 et un morceau qui va faire 6,5 par 7,5. Ouais, mais alors, lui mettre un mon chéri, je sais, il aime ça, mais ça veut dire que j'achète une boîte. Après, elles n'ont aucun. Je vous l'ai déjà dit, hein, avec moi, les mon chéri, ils n'ont aucun risque. Hein. C'est le seul chocolat, je crois, qui peut survivre dans ma maison. Je n'y toucherai pas, j'ai horreur de ça. Mais je crois qu'il me reste de Noël. Hein. Et mon truc, il est de train. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Hop là. Et on colle. Le dernier derrière. Alors, les dernières mesures pour le papier imprimé. Pour la base, c'est deux morceaux qui font 12,1 par 6,5. Et un morceau, celui pour l'arrière, qui fait 6,5 par 7,5. Et là, regardez, hop, c'est magique. Clac. Vous voyez, regardez, regardez. Je suis sûre que si on met les deux à côté, ça fait trop joli. J'avais trop envie de le faire, hein, j'avais pas fait. Regardez, hey, c'est pas génial? On peut faire une super. Non, alors c'est pas vraiment l'été, c'est la chaudière qui chauffe beaucoup. Non, mais je suis dans une maison, voilà, qui est pas isolée de partout, enfin qui est pas isolée. Voilà, c'est une vieille maison, donc et du coup, bah, il y a des pièces où il fait plus ou moins chaud en fonction. Là, par exemple, moi j'ai hyper chaud, j'ai mis un pull pour faire le live, hein, j'étais en t-shirt autrement, mais je sais pas pourquoi j'ai été mettre un pull en fait. Il y a des trucs comme ça des fois. C'est trop beau, hein? Ça fait un trop beau truc. Oh, c'est trop joli. Bon. Alors, ici, on passe à l'intérieur. Donc, je vous remets celui-là. Hop. Moi, à l'intérieur, je suis partie sur des. Bah, reprendre, en fait, le papier que j'avais mis. Alors, à l'intérieur, ici, je ne voulais pas le mettre en rouge parce que je trouvais que ça aurait fait trop. Du coup, je suis restée en rose. Mais là, j'ai pris celui-là, que je trouve, j'aime bien, qui reprend la bande sur le côté du couvercle. Ouais, pour un anniversaire, pour plein de trucs, en fait, on peut faire un truc top. Je vous dirais même pour des baptêmes, des trucs comme ça, ouais, il faut mettre
les dragées, enfin les dragées ou ce que vous offrez dans un sachet, parce que les gens ils vont prendre fouf. Ou il faut être à côté pour distribuer, parce que sinon ils vont tous ouvrir les boîtes à explosion sans faire gaffe. Mais ouais, pour un anniversaire, ou ce que je disais en début de live, vous faites un truc avec des enfants, je vais au centre. Vous les faites, vous n'êtes pas obligé de faire une super déco dessus, même juste marquer en couleur joyeux anniversaire et puis marquer sur des boîtes en couleur et faire ça avec des sachets de bonbons. Les mômes, ils adorent. Ça peut être très sympa, comme je trouve. Donc, pour l'intérieur, il vous faut deux morceaux qui font 12,1 par 6,5 qui vont venir, pas du tout, sur les côtés, comme ça. Donc, un peu comme l'extérieur. Et un autre morceau qui va faire 7 par 11,5. Non, par 11,3, pardon. 7 par 11,3. Et pareil, j'ai mis une marque au centre. Et on va couper pour faire le triangle. Les pattes de collage de quoi? Sur la boîte à explosion, il n'y a pas de pattes de collage. La boîte à explosion, elle s'ouvre complètement. J'ai pas compris, Christelle. De quelle pattes de collage tu me parles là? Parce qu'il n'y en a pas des pattes de collage sur la boîte à explosion. Après, vous pourriez en faire pour faire vraiment une boîte et pas un truc qui s'aplatit, qui s'ouvre complètement. D'ailleurs, oui, peut-être que si je fais un truc pour un anniversaire pour des dragées, rajouter des pattes pour que ce soit vraiment une boîte en forme de gâteau et pas une boîte à explosion. Mais oui, on pourrait faire des pâtes de collage. Mais là, non, je ne les ai pas oubliées, Christelle. C'était bien tenté de me dire que j'avais fait, d'essayer de m'induire en erreur. Mais non, non. Là, il n'y a pas de pâtes. Donc, voilà. Et pour le centre, je reprends. Je vais fermer ma colle parce qu'elle va savoir m'en mettre partout. Le petit scalpel. Et je coupe. Donc oui, alors j'ai oublié de vous le dire au début du live, mais n'hésitez pas à partager même le live. Hein. Moi, ça m'aide pour la visibilité, en fait. Donc n'hésitez pas à le partager, ce serait. Ça me permet de. Ouais, d'avoir une plus grande visibilité, ça m'aide pas mal. Voilà. Enfin, si vous le voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Voilà, et là, paf, je viens coller. Alors, j'ai effectivement pas mis de papier imprimé à la base derrière ici, parce que j'ai fait une pochette et vous voyez, j'avais pas mis de papier design derrière. J'ai cru que j'avais oublié un morceau, mais pas du tout. Et je viens coller celui-là. Très joli, j'adore. Alors, du coup, ici, par exemple, pour faire les pochettes, vous pouvez utiliser vos chutes. Vous voyez, regardez. Par exemple, ici, je mets juste de la colle là et sur les bords, en fait. Et ici, je peux venir faire une pochette. Celui-là, bon, c'est une autre couleur, mais ou alors vous l'utilisez ici si vous préférez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais l'utiliser là plutôt. Donc, je vais l'utiliser ici en le mettant à ras pour faire une pochette. Et puis l'autre par-dessus comme ça. Mais je vais couper avant ce qu'il y a en trou. Fait, je vais marquer ici avec mon ongle là. Hop. Comme ça, je sais jusqu'où je mets de la colle et je donnerai un petit coup de ciseau derrière. Donc, on met juste un petit filet de colle.
Et pareil de l'autre côté, en fait. Alors, l'autre côté, vous pouvez tricher un peu en venant mettre le petit filet de colle, puisqu'elles vont se superposer directement sur celui-là. Bonsoir Sylvie. Hop là. Voilà, et là ça me fait une petite pochette. Bon, j'attends que ça colle avant de vous montrer, mais voilà, on peut glisser quelque chose dedans. Pour les autres pochettes ici, eh bien, on va utiliser. Parce que celui-là, ça ne va pas avec. Je prends ma feuille à côté, j'arrive. Et bien sûr, vous vous en doutez, je ne l'ai pas prise. Le morceau de papier qui me restait. Merci, merci, je suis contente que ça vous plaise. Donc, vous voyez ici, hop, on peut glisser un petit tag, un petit truc sans problème. Donc là, en fait, bah, vous pouvez, comment je l'ai fait? Oui, moi j'ai fait juste un angle en fait. Donc ici, j'avais fait juste un angle, donc en fait, il vous suffit là pour le coup, bah, on peut prendre directement le coup de papier. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mesurer la taille. Merci Maryse. Vous mesurez la taille de votre papier design ici, parce que je ne me rappelle plus, bien sûr. C'est 6,5, je crois. Voilà. On coupe un carré qui fait 6,5 sur 6,5. Voilà. Et on le coupe. Vous le coupez dans la diagonale. Hop là. Et du coup, on a juste à venir coller en angle. C'est des exemples d'aménagement, hein, après. Après, il faut laisser libre cours à votre imagination. Voilà, moi j'ai fait une pochette comme ça. Et puis là, j'avais fait deux pochettes qui se rejoignent, donc une ici et puis l'autre de l'autre côté, donc pareil, hein, 6,5 par 6,5. Alors, j'ai toujours une fâcheuse tendance à travailler, ça fait rire mon mari à chaque fois, en empilant mes affaires. Je ne sais pas si vous faites pareil, vous voyez, j'ai pas dégagé mon plan de travail, en fait, j'empile. Donc là, il n'y a pas grand-chose, mais des fois, il y a des entreurs, et j'empile, je travaille par-dessus. C'est comme ça qu'on fait des bêtises, hein. Ou qu'on perd ses affaires, non, pas qu'on fait des bêtises, qu'on perd ses affaires, exactement comme ça. Voilà, et hop, et je vais venir la mettre de l'autre côté. Alors, n'hésitez pas, ouais, une fois que vous les avez faites, à me montrer vos projets, et puis à me montrer comment vous avez décoré l'intérieur aussi. Parce qu'il y a plein d'autres façons de faire, en fait. Moi, je vous montre celle-là parce que celle-là était assez simple à réaliser, mais il peut y avoir d'autres façons de les décorer. Voilà. Après, j'avais fait un tag. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Je vais jusqu'au bout ce soir. Je vous montre tout. Mon papier. Si je retrouve mon papier, bien sûr. Donc, j'avais fait un petit tag ici. On va les tamponner tout de suite avec le grand message aussi, parce que 5,5 par 5,5 dans du papier blanc. J'ai même plus de chute de papier blanc. C'est un truc de fou, j'ai utilisé. Donc,
5,5 par 5,5. Hop. Celui-là, il mesurait pareil, hein, je crois 5,5. Voilà. Je prends mon tampon, j'arrive. Ah bah ça me rassure. Bah moi aussi j'en mets partout quand je scrape, mais alors j'empile les trucs et je me dis des fois, je vous montre pas mon bureau qui est à côté hein, parce que j'ai un peu honte. Mais du coup, c'est quoi que j'ai été chercher? J'ai été chercher un truc, j'ai dit j'ai besoin de ça. Allez mon tampon. Oups, voilà, vous voyez, il y a tout qui tombe. Et en fait, mon atelier est en deux parties, si vous aviez vu la vidéo que j'avais faite. Et à côté, c'est un... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau la nuit. Dans mon atelier la nuit. Mais oui, j'empile. Et alors, je suis là. Ah, oh, je trouve pas ceci. Je trouve pas cela. Mais bon, après, je ne m'en prends qu'à moi. Hein. Enfin, non, j'arrive à engueuler tout le monde, quand même. En disant qu'on m'a piqué tel ou tel truc. Sachant que dans la maison, il n'y a que mon mari et moi. Mes deux chiens. Mais jusqu'à preuve du contraire, les chiens ne me volent pas mes affaires. Alors je vais déjà tamponner le petit pourtois que j'avais mis sur la boîte pour qu'il puisse sécher avant que j'aille le découper. Hop. Comme ça. Il aura le temps de sécher et de ne pas couler partout. Et je vais tamponner le grand. Alors, vous voyez, c'est cet ancien set de tampons Heureuse Pensée. Et je trouvais trop, trop beau, quoi. J'aime beaucoup ces phrases. Donc là, je vais remettre le même. Hein. Les petites choses que tu fais si bien font une grande différence dans la vie. Je trouve ça. Ah oui, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ça me rassure, je sais que je suis pas toute seule. Mais l'empilage des affaires, quand même, des fois, je me dis, mais pourquoi j'empile, en fait? Pourquoi? Des fois, je travaille, mon mari rigole. Enfin, je pense que ça vous le fait aussi. Sur 10 cm en fait. J'ai deux grands bureaux, je travaille sur 10 cm. Bon alors mon éclairage, du coup, il va falloir que je vois parce que je viens de lever la tête, je viens de voir que j'ai la tête toute blanche. Du coup, vous voyez pas. Vous voyez soit le sommet de mon crâne, soit ma tête toute blanche. Mais bon, vous venez pas pour me voir moi. Mais c'est vrai que si je mets la petite caméra l'encart, c'est pour ça. Vous voyez, sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, je le tamponne ici, voilà. Et je m'occuperai de ça après. Du coup, je reviens à mes moutons. On était là. Ah ben non, c'est bon, c'est ça. Donc en attendant, on va tamponner les cœurs. Les deux cœurs. Là. Parce qu'en fait, l'encre noire, elle est des fois un peu lente à sécher et... Après, je mets mes doigts dessus et pouf, j'en ai partout. Donc, les cœurs, je vais les faire couleur béguin bleu. Parce que j'aime bien. Et puis, non, c'est surtout parce que ça va avec le papier. Donc, hop. Parmi mon micro, bien sûr. Ah, bah ça va. Ça... Oui, couper les papiers sur les genoux, effectivement. Ou alors, des fois, on dit ah, mais c'est pas stable. Bah non, c'est pas stable parce qu'il y a plein de bazar. Moi, je me sens moins seule. Merci, merci. Alors, du coup, on va faire. J'avais fait deux grands cœurs. J'adore ce tampon, je vous l'ai déjà dit. Il est magique parce qu'en plus, même si on a l'impression de ne pas avoir bien tamponné, l'effet. C'est les faire chercher, en fait. C'est fait exprès. Je trouve ça génial. Hop, la perfo. On y va, on les découpe. Alors, des fois, s'il y a un peu trop de papier en dessous, ça peut gêner. Hop. Donc, vous recoupez la petite bande.
Hop là. J'en ai même fait trois puisque j'en ai fait un sur le tag. Je l'ai oublié, celui que j'avais fait sur le tag. Bon, alors ça c'est pareil, hein. D'habitude je le centre sans aucun problème. Là je suis en live, je vais pas y arriver. C'est pas possible. Pourquoi j'y arrive pas? C'est quoi qui est pas droit? Ah oui, ben non, non, du coup, on coupe pas droit, effectivement. Je comprenais plus, excusez-moi. Ah, j'ai dû mettre le tampon de travers, voilà. En fait, les tampons transparents, faut attendre. Vous voyez? Parce que là, je suis bien positionnée et l'autre en bas, il n'est pas positionné comme il faut. Les tampons, comme je parlais, j'ai pas fait gaffe. Alors, j'ai déjà donné cette astuce. Quand vous voulez positionner correctement votre tampon. Si je le mets pas bien, il va pas bien se mettre dans la perfo. Vous le posez sur votre table et vous venez le chercher comme ça. Il va se positionner naturellement. Hop. Donc j'ai le gros cœur. On va faire le deuxième, mais ça va être le même problème. Voilà. Hop là, les travers. On va retamponner les petits cœurs, c'est pas grave. Non, il m'en faut un autre en grand. Hop. Hop. Et après, c'est des petits cœurs qu'il me faut. Une. Bon, je vais en faire trois pour l'instant. Hop là. Alors. Moi, je me sens moins seule, du coup, de savoir que vous aussi, vous empilez vos affaires pour... Vous voyez, là, pif, paf, ça tombe nickel, là. Voilà. Et on a une bande de petits cœurs, ici. Le but étant de les mettre dans le bon sens. Hein. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà, ça va le faire. Donc sur le couvercle, j'en étais au tag. Le tag, le petit tag que j'ai fait, donc 5,5 par 5,5, je vous ai dit. Il est là. Du coup, moi j'avais pris un petit cœur que j'ai collé avec de la mousse 3D. Et j'ai pris une petite bande, en fait une petite chute de papier. Là, j'avais repris le papier rose. Couper. Quand j'ai des petits bouts comme ça, souvent je fais avec le cutter, je trouve que c'est plus facile. Une petite languette d'environ 1 cm, après c'est pas au millimètre près. Hop. 1 sur 2. Voilà. Où j'ai mis mes ciseaux, ils sont là. Je le plie en deux. Après, ça c'est pareil, moi je vous montre comme ça, après vous faites... vous ferez votre déco. On vient. Maintenant, ma colle ne veut plus sortir. Et là, vous le positionnez à peu près au centre.
avec vos mousses 3D. Vous allez venir mettre le petit cœur en relief. Et alors, moi je suis venue tamponner après. Hein, on peut tamponner après. Avant, je vais venir perforer faire un petit trou. Il n'y a plus personne qui parle, vous ne dites plus rien. Vous êtes concentré. Voilà. Et on va y passer une petite cordelette de lin. Hop. Un petit morceau. Hop. J'adore ce fil de lin, je trouve ça trop mignon. Oui, vous m'écoutez, je vois ça. Enfin, je vois ça. Non, c'est que comme il n'y a plus d'activité, du coup, ça ne bouge plus sur la page. Je me dis, mince, il n'y a plus personne. Si ça se trouve, je continue le live toute seule. Voilà. Hop, je trouve ça trop mignon. J'adore ce petit fil de lin. J'aime trop, trop, trop. Voilà. Donc ici, je retire les protections. Je les ai déjà retirées. Ouais. Et vous venez coller le petit cœur, moi je l'ai collé comme ça, hop. Et j'ai pris le petit tampon, je t'aime, j'adore l'écriture, qui est la calligraphie des messages sur ce set de tampons, je les trouve trop mignons. J'aime beaucoup le je t'aime qui est dans le coin, hop. Mon encre. Et là, je dirais que vous le mettez comme vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas de règle. Bon, j'espère bien que vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Vous m'admirez. Merci François, c'est gentil. Donc ça, et je vais prendre les petits cœurs qui sont ici. Je reprends mon encreur. Alors, on peut prendre le béguin ou alors... Comme je vais utiliser celui-là pour faire les feuilles, puisque je ne les ai pas encore faites, on peut utiliser celui-là pour faire les petits cœurs, le grenouille guillerette, pour changer un peu de couleur. Donc là, moi, je sors un peu du cadre de mon tag, hein, c'est pas grave. Hop. Ça donne un peu plus de peps avec le vert, je trouve. Qu'en pensez-vous? Voilà, donc là on a un joli petit tag qu'on peut venir glisser. Donc ça par contre, hop, on referme tout de suite. On peut venir glisser notre petit tag ici. Alors moi là j'ai pas mis de papier design derrière, hein, mais vous pourriez en mettre hein, si vous préférez. Hop, voilà, ou on peut même le mettre comme ça qui vient par-dessus. C'est très joli comme ça. Ensuite, le grand tag. Alors, celui-là, il faisait... Ah, il faisait déjà 5,5. Bah, c'est pas grave, on va le faire un peu plus petit. On s'en fiche. Hop. On n'a pas besoin de le faire d'une certaine... Enfin, il n'y a pas une taille à respecter pour le tag. Donc là, le plus chiant, c'est de le couper droit. Hop. Moi, j'utilise les lignes de mon... Une fois que je l'ai coupé droit en haut et en bas, j'utilise les lignes du
Oh, je vais y arriver. Du tapis de découpe pour être à peu près parallèle. Voilà. De quoi 10 ans, Cécile? J'ai pas compris. J'ai peut-être un truc que j'ai dit, hein, mais alors j'ai une mémoire de poisson rouge. Hop. Voilà. Et là, je suis pas obligée de faire les petits angles. Les petits angles, en fait, j'avais fait tout simple. J'avais pris mon papier, j'avais coupé, collé, hop, et j'ai découpé. D'accord? Mais là, je peux faire tout à fait une petite borne que je vais coller sur le côté pour changer. Je peux tout à fait faire un truc comme ça. Quick. Et après, bien sûr, voilà. Donc là, c'est un peu de la bidouille, hein. Hop là. Voyez, ça fait une petite bande sur le côté, c'est mignon aussi. Trouve ça sympa aussi. Alors j'aurais pu prendre une autre couleur, je collerais peut-être une autre couleur parce que... non, je suis pas tendre. En fait, quand il se bouge, je le tape sur la table. Mais il me dit rien, ça va, il m'en veut pas. Vous voyez, parce que là, j'ai fait ton sur ton, du coup, on voit pas en fait. Donc il faudrait mettre une autre couleur. Bon, je referai ça. Ouais. Je referai ça à l'occasion. Donc ici, je vous dis, vous pouvez mettre un chèque cadeau, une carte cadeau, ce que vous voulez. Hop. Alors là, je décore pas l'intérieur sciemment, je vais juste coller un petit cœur avec une mousse 3D, parce que je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, donc je vais pas aller faire une déco pour mettre une bougie si je fais pas, si je ne mets pas une bougie. Mais le petit cœur ici, là, je trouve ça mignon. Hop. Voilà. Et puis, bah, sur le couvercle, en fait, moi, je vous montre ce que je vais. Après, on peut mettre un ruban autour. Enfin, vous avez plein, plein de possibilités, hein. Oui, la déco, c'est le plus long. Ici, moi, j'ai mis ce que j'ai mis ici, c'est deux cœurs en superposition avec le pourtoi en travers. Alors, le pourtoi, il est où? Je l'ai coupé. Il est là. Voilà. Mais tout à fait faire quick. Voilà. Vous avez vos j'allais dire les allumettes. Les feuilles qui sont là. Hop. Que vous allez venir touc. Tamponné. Je vous montre la déco sur le couvercle et puis après je vous libère, bien sûr. Alors. On va déjà faire celle-là. J'essaye de voir. Voilà. Non, il y a le cœur qui va découper donc. Je ne peux pas réutiliser le bout de papier en dessous, c'est pas grave. Mes deux.
mes deux feuilles. Mais je veux absolument que ce soit des pétales. Hein. Je ne sais pas pourquoi. J'en retamponne deux autres. J'aime vraiment beaucoup cette perfo, j'adore. Donc ici, hop, on vient mettre une mousse. Alors du coup, j'en ai collé une comme ça. Enfin, un cœur. Je voulais dire une découpe. Je me rattrape bien là. Coup Daniel. Ah oui, je vous ai fait un live qui dure longtemps ce soir. Une heure et demie. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Hop. Ne vous inquiétez pas, nous avons bientôt fini. Après, c'est au feeling, hein, il n'y a pas vraiment de sens pour positionner les feuilles. Voilà. Et ensuite, alors, ma petite étiquette, je l'avais mise en travers ici, j'avais mis avant. On va le faire avec de la ficelle de lin, ce coup-ci, on ne va pas mettre de doré. Ah si, on va mettre du doré, c'est plus joli. Pas de souci, de toute façon, là, c'est la fin, Daniel, donc il y aura le replay, et puis le tuto, j'essaye de vous le... Normalement, je vous le publierai demain. Demain matin, je dois emmener d'abord mon chien... chez le véto parce qu'elle a un souci à un œil. Donc dans la journée je mettrai le replay et le tuto. Je vais y arriver. Le replay sera dispo sur ma page Facebook, mais le tuto surtout. Donc ici, hop là. Vous venez ici. Alors, moi je l'avais collé avec une petite glue dot. Vous savez, le truc qui a dû disparaître. Ah non, il est là-bas, attendez. Oh. Non, voilà, je repars en quête de mon matériel. Non, je l'ai trouvé tout de suite. C'est miraculeux. Donc, une petite pastille. Ça, j'adore ces petites pastilles de colle. Elles sont juste topissimes. Voilà, je colle mon ruban, comme ça je suis sûre qu'il tient bien et qu'il ne va pas se faire la malle. Et là, vous allez pouvoir venir coller. Alors moi, je l'ai recollé en fait avec des pastilles de colle. C'est les 8 cm que tu as dû chercher, c'est pour ça que tu me donnes plus de ton agréable... Ah, merde. Oui, bah oui, non, mais c'est ça en plus. Ces fameux 8 cm du début. Non, mais j'avais prévu de ne pas faire un live spécialement court. Là, j'avais le temps. J'avais le temps, puis c'est le dimanche. Voilà. Je me doutais que ça allait être plus long. Hein. C'était forcément plus long. Donc, voilà, voilà. Regardez comme c'est une merveille, ce truc. C'est trop beau. On va se mettre dedans. Hop. Bon, bah, désolé pour le bazar. Hein. Alors, pour la bougie, je ne vous ai pas expliqué, mais la bougie, il n'y a rien de compliqué. Bonne soirée, Christine. La bougie, il n'y a rien de compliqué. En fait, j'ai mis un morceau de double face tout autour de... Oups, ça m'a resté comme ça. Tout autour de ma bougie LED. D'accord. J'ai mis un bout de double face, j'ai mis une bande de papier que j'ai collée. Et après, pour le coup, avec une pastille de colle, vous la voyez là, d'ailleurs, parce que je n'ai pas fini de bien le mettre, j'ai mis une glue dot. J'ai mis ma petite cordelette qui n'est pas fixée ailleurs. Je vais recoller là. Et du coup, je trouve que ça décore la petite bougie LED bien comme il faut. Donc voilà.
Eh bien, écoutez, on a terminé pour ce soir. Donc, maintenant, il vous reste juste à vous rendre sur ma boutique en ligne et à passer votre commande. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Le code de test n'est pas le bon, hein, celui qui s'affiche ici. Il est disponible sur mon site internet. Je n'ai pas mis ça à jour encore. Celui du mois de février. Voilà. Trêve de plaisanterie, je vous remercie d'avoir été présent et de m'avoir suivi ce soir. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon dimanche soir, bon courage pour la reprise demain. Et puis surtout, n'hésitez pas à me montrer comment ça s'appelle, vos créations. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. J'ai hâte de voir vos interprétations. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite. Au revoir.